Alors là, Alexandra, nous sommes à Nau, NAUX, et nous allons vers les Hautes Rivières, sur le plateau. Là, on va monter au Champ Bernard, donc je vais te montrer un ancien four à pain, où les gens du village, une fois par an, lors de la fête du pain, bah, ils viennent à pied monter 2 km, 2,5 km pour aller cuire leur pain. Et puis bah, on cassera la croûte là-haut, parce qu'il sera pas loin de midi, là, il est 10h et des poussières, là, on vient de partir à 10h pile. Manger. Bon, ouais, on pense qu'à ça. Alors, comme tu le disais l'autre fois, on est traîneurs, mais on est des bouffeurs aussi. Hein. Ouais. Voilà, donc on est à côté de notre petit ruisseau qui donne encore bien malgré la sécheresse. J'ai mon pain. Ah ben alors, on est sauvés. T'as le pain, t'as la flotte, t'as le pâté breton. On est à côté des dolmens et des menhirs, là. On est sauvés. Elle est glou, 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 glou. Santé. Ah oui, c'est pratique ton truc. Ah voilà. J'avais tout le temps ça dans mon sac de cours. Parce que dans la gorée, il fait chaud. Alors, explique-nous par quoi tu vas commencer, Alex. Par le pâté. Alors, c'est du pâté breton, elle disait ta mère. Hein. Et puis après. Du bon pain frais qu'elle t'a fait? Ouais. C'est le pain qui était un peu cuit et qu'elle a cuit après. Un yop? Un yop, ouais. De la compote? Et de la pomégo. C'est marqué pomégo. Eh ben. Ça voilà, c'est fraîche. Bon. Alors papy, qu'est-ce que tu manges? Ah, alors aujourd'hui, papy, parce que papy, lui, il a plus de maman hein, pour lui préparer tout ça. Donc aujourd'hui, une grosse boîte, hein, pâté naf, pâté breton. Mais 100% pur porc avec des vrais morceaux dedans. Ensuite, bouffe du froid aujourd'hui. Une ratatouille cuisinée à la provençale avec des poivrons, des machins. C'est fantastique, j'adore ça. Un petit morceau, enfin un bon petit morceau, de tomme des Ardennes. De chez mon boucher de Revin, monsieur Coutel. Voilà, un bon petit morceau de tomme des Ardennes. Voilà. Et puis une pomme, je sais pas quoi. Puis. Pink Lady, voilà, une Pink Lady bien rouge. Hein. Ah, il y a une étiquette dessus. Hein. Un bon morceau de pain, regarde ça. Et bien cuit. Hein. Une baguette à l'ancienne. Et puis bon, mon litre d'eau qui est au frais là. Et puis tout va bien. On va souhaiter ma bonne petite fille Alexandra un bon appétit. Bon appétit. Voilà. Et comme il disait Gérard, non, il disait quoi? Non, c'était pas Gérard qui disait ça. C'était un pote qui travaillait avec moi au musée de l'air. Il disait bon appétit et que la dernière bouchée t'étouffe. C'était un dégueulasse, le mec, t'as vu? Ouais. Bon, là, on est dans un bel endroit alors que on a déjà vu avec ma copine Jody, là, hein, donc près d'une source, c'est là qu'on bivouacra. Ma chère Johnny, un peu plus bas. Alors là, pour l'instant, je suis pas avec Johnny, là, je suis avec ma petite fille Alexandra. Voilà, dans un endroit que j'aime bien, où la flotte coule en permanence. Donc, parce que quand on fait un bivouac, bah, il nous faut de l'eau pas trop loin. Et là, c'est le cas, on aura de l'eau pour boire, pour manger, pour se laver, enfin pour tout. Et voilà. Donc, ma petite fille connaît bien les systèmes du bivouac et elle était en train d'expliquer voilà. Ce qu'elle avait vécu, elle en bivouac, où personne ne voulait dormir avec elle. Voilà. La pauvre gamine, ma pauvre gamine, va. Du coup, j'ai eu froid toute la nuit. En plus.